Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée, voici les titres. Frustration des marins mauriciens positifs à la Covid-19 au Sri Lanka. L'un d'eux dit avoir l'impression que leur vie a été mise en danger pour une question d'argent. Les travaux de réparation du Mauritius Rocketia auraient pu être effectués à Maurice selon lui. Trois nouveaux cas de Covid-19 enregistrés cet après-midi. Il s'agit des habitants de Lavalette, l'Almaty et de Highlands. Parallèlement, les habitants de Bramstan réclament eux un exercice de dépistage après la détection d'un cas positif. Un avis de Fort Toul en vigueur à Maurice, Rodrigue et Saint-Brandon à partir de 4h demain matin. Du coup, le pompage de fuel sur le Seamast au large de Saint-Brandon suspendu. Et puis sport, Dorine Thiborc, élue membre de la Fédération internationale de natation, et devient la première femme du continent africain à siéger au sein de l'instance suprême de la natation mondiale. Angoisse et frustration des marins du Mauritius Rocketia testés positifs à la Covid-19 au Sri Lanka. L'un d'eux affirme avoir l'impression que leur vie a été mise en danger pour une question d'argent, car si les travaux avaient été effectués au chantier naval de l'océan Indien à Port-Louis, ils auraient coûté plus cher, selon lui. Mais ils ne se seraient pas retrouvés dans la situation actuelle après qu'un Mauricien et un Malgache, tous deux positifs au virus, ont été admis à l'hôpital au Sri Lanka. L'un des marins, en quarantaine, dit n'avoir plus de nouvelles de son collègue. Il témoigne sous le couvert de l'anonymat. Ce qui est bizarre, c'est pas tout là, pas si bizarre, venir Sri Lanka. Et non, c'est un oui, donc, quoi, nous là, pour qu'il écoute un pécasse. Pas faire un an, parce que quand nous la santé, nous détériorons, qui nous fait là. C'est là qu'il faut qu'on pense, là. Mais la personne, et là aussi, quand bateau rentre dans Calcès, c'est bizarre, nous ben personnel bateau, si nous mettons dans l'hôtel, mettre Sri Lanka mélangé, fait ce ben affaire, allez, vini. Ça m'a dit, mon nom, c'est pas fait test, ça. Pas trouvé, m'a dit, ben test PCR, ça. Je vini, je peux travailler, oui, tout correct. Faut décaper tout, dit, mon, peser l'écho, les là, les temps, pour nous, le temps, nous guetter, nous tournons ici, peser, nous dit, ben, ça fait pas bon. À la résultat, continue à menu. Quand tu peux payer un dry dog pour moi, c'est la cause Covid. Pas le fou, nous, de l'emmerdement. Nous, famille, payons que c'est. Mais pas en train à moi, mon la tête pas en place. Mais tu sais, qu'on est qui peut faire. Il y a un coup de bon morse. Mais c'est mal. Il n'est pas pour finir l'aime, ça. Parce que mon bon camarade, là, le soleil est aggravé. Il est obligé de aller dans l'hôtel qui me convertit en Covid, traitement Covid. Il est allé dans l'hôpital, là. Au ministère de la Pêche, on affirme que les marins admis à l'hôpital au Sri Lanka ne seraient pas dans un état critique. Parallèlement, le capitaine du navire est soupçonné d'avoir attrapé la dengue. Il est actuellement soumis à des tests afin de confirmer s'il souffre bien de la dengue. Trois cas de Covid-19 ont été enregistrés ce soir grâce aux exercices de contact tracing. Il s'agit d'habitants de Lavalette, l'Almaty et de Highlands. 618 patients considérés comme étant guéris ont pu rentrer chez eux. Le nombre de cas actifs au niveau local est donc de 194. Parallèlement, des habitants de Bramstan réclament un exercice de dépistage au plus vite. Cela après la détection d'un cas dans la région hier. Témoignage. Mon sentiment, vous m'avez dans l'endroit, il n'arrive qu'à là, qui me croit, vous devez prendre bonne précaution pour tous les enfants, bonne personne dans mon sang. Vous avez des manas qui font un test PCR dans l'endroit? Oui, j'ai fait un test PCR. Je me suis senti que je connais que j'ai été. Je me suis dit, comment ça, je peux perdre. Je ne peux pas sortir, je peux juste en place, je peux perdre pour sortir. Parce que c'est un petit peu envie de connaître, faire un test PCR pour les autres. Vous pouvez passer un message pour qu'ils viennent faire un test PCR. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens aussi qui nous disent comment précautions nécessaires, le côté sanitaire aussi. Mon père pour la population aussi. Si nous ne pas faire nous tester, c'est Covid, pas n'importe où. Le sentiment, l'indiqué plus grave qu'auparavant, nous pouvons essayer de prendre une disposition un peu plus vite et nous essayons de contacter l'institution qui est bien. Nous pouvons demander un mass testing, un test PCR à Bramstan. Nous pouvons que Maman Dimoun est qui. Et Maman Dimoun même peut dire pas faire autre chose aussi. Et nous apprenons que l'exercice de dépistage se fera ce mardi à 16h au centre social de ce village de l'Est. Tout à fait autre chose à présent, un avis de Fort Toul en vigueur à Maurice, Rodrigue et Saint-Brandon à partir de 4h demain matin. Et ce jusqu'à ce mardi 10h, des vagues de l'ordre de 4 mètres sont attendues.
et risque d'éferler le long des plages de l'ouest et du sud lors des marées hautes. En cause, un anticyclone et un système de basse pression évoluant loin au sud-ouest de notre région. Selon un communiqué émis par la station météo de Vakois cet après-midi, les explications du prévisionniste Fawaz Dil Mahomed. C'est plutôt ben la houle énergétique du sud-ouest de l'eau de 4 mètres et nous attendons que éventuellement je pourrais approcher de nos régions et je pourrais venir un petit peu plus près, voire même je commence à impacter nous cas dire, l'état de la mer dans les environs de Maurice, même de Rodrigo aussi, à partir de demain, éventuellement au cours de la journée de lundi pour Rodrigo aussi, vous commence à influencer sur l'état de la mer. Et ça ben la houle, je peux toujours progresser, je pourrais même jusqu'à Saint-Brandon aussi. Et pour Saint-Brandon, il peut paraître qu'au cours de l'après-midi, c'est ça même la houle de l'eau de 3 à 4 mètres là, commence à influencer l'état de la mer. Et le pompage de fuel sur le Seamast qui a échoué sur les récifs de Saint-Brandon ne pourra se poursuivre en raison de l'avis de Fort Houle. Selon le ministère de l'Environnement, 50% de l'hydrocarbure sur le bateau a pu être pompé, soit environ 1500 litres jusqu'ici. Un autre bateau de pêche, le Sea Tiger, doit rejoindre en renfort le point du naufrage ce soir. Le directeur de l'environnement, Shiv Siubadut, précise que l'exercice de pompage de fuel reprendra dès que l'état de la mer le permettra. L'exercice que tu n'arrives, il arrive à environ la moitié du marine diesel qui le bateau une fini pompé manuellement, environ 1500 litres. Et restant, il y a à peu près même quantité, sous qu'à dire. Et pour l'instant, aujourd'hui, malheureusement, condition de la mer pas permet de faire pompage. Nous connaissons qui dans les jours à venir aussi, condition pour un P pas favorable. Quand une condition de la mer n'est pas favorable, il vaut mieux qu'il nous arrête l'opération, justement, pour éviter qu'il arrive un épandage, arrive un spill pendant l'opération. Alors, pour ça, raison, comment la mer pour restabiliser, pompage pour continuer. Et d'ailleurs, laisse-moi dire aussi qu'il y a une équipe de à Saint-Aïacan sur un autre bateau KPC Tiger avec encore équipage derrière le site. Et éventuellement, nous confions que l'opération pompage pour terminer aussitôt comment la mer retourne à la normale. Nous marquons une pause. Réinventer, c'est progresser. Progresser, c'est vous offrir ce qu'il y a de meilleur. Mais aussi pour un lendemain meilleur. Comme le tournesol qui s'oriente toujours vers le soleil, nous voulons renforcer notre lien avec notre Terre. D'où l'introduction de notre nouvelle boîte biodégradable. Une boîte qui ne nuira pas à l'environnement, qui se réconcilie avec notre Terre et qui retourne au sol. Pour se réinventer, Tara. Spreading the joy of good food. Au chapitre des faits divers, un élément de l'SMF arrêté pour vol de tubes de colle et de peinture à l'école primaire Idriss Koumani à Valépito, localité en zone rouge. Le policier a été interpellé en fin de semaine par l'un de ses supérieurs. C'est une enseignante qui a rapporté l'affaire et un sergent a procédé à l'interpellation après que le suspect a été trouvé en possession de ses articles. Ce dernier a été libéré sur parole. Parlons sport à présent. Belle distinction pour la natation mauricienne Dorine Thibaut, fera partie du comité directeur de la Fédération internationale. Elle a été élue membre exécutif samedi lors du congrès tenu à Doha. La mauricienne devient la première femme du continent africain à siéger au sein de l'instance suprême de la natation mondiale. Dorine Thibaut, qui n'a pu effectuer le déplacement à Doha en raison de la crise sanitaire, a suivi les suffrages sur Internet. Elle se dit fière de cette nomination. Je suis fière et heureuse de faire partie de la plus haute instance de la natation. Fière surtout pour mon pays et d'être
Aussi, la première femme africaine à faire partie du bureau de la FINA. La route n'a pas toujours été facile, avec beaucoup d'épreuves, mais la patience, le travail a fini par être connue. Je remercie le président de la Confédération africaine, le Dr Samram Sami, les membres de la Fédération pour leur soutien et ma famille pour qui tout cet engagement n'a pas toujours été facile. Et puis la judokate mauricienne Priscilla Morand, engagée chez les moins de 48 kilos au championnat du monde à Budapest, s'est inclinée au deuxième tour face à Otgon Setsek Galdabrak du Kazakhstan. Priscilla Morand a été exemptée du premier tour après son titre de championne d'Afrique. La mauricienne est bien partie pour décrocher sa qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui se tiendra du 23 juillet au 8 août. Bonjour à tous, voilà aujourd'hui mes championnats du monde se terminent malheureusement avec une défaite contre la Kazakh Galbadrak, donc un gros morceau. Elle a fait 3e aux Jeux Olympiques à Rio, plusieurs fois médaillée au championnat du monde, donc c'était pas facile. J'ai quand même fait un bon combat, déçue mais quand même un petit peu satisfaite de ce combat. Maintenant je vais me focaliser sur la préparation pour les Jeux. Donc là je vais faire une semaine de pause. Ensuite, je vais partir 3 semaines à l'étranger pour commencer en Slovaquie, pour vraiment préparer les Jeux. Donc voilà, je remercie toutes les Maurice pour le soutien, tout le monde, c'est super. Merci au président de la fédération, merci à tous. Et je souhaite encore bonne chance à Rémi qui va combattre ce jeudi. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous tous.